AgroBio Poitou-Charentes est une association de développement et promotion de l'agriculture biologique en Poitou-Charentes. Donc notre travail au quotidien, c'est de défendre l'agriculture biologique sur le territoire, à la fois par la production, l'accompagnement de la production, la transformation et aussi la distribution dans une logique de, on va dire, d'économie sociale et solidaire. Donc par nos actions, on a mis en place en 2011 un travail pour favoriser le développement des produits bio en restauration collective. Et du coup, aujourd'hui, on est là aussi pour présenter une structure jeune. La société Mangeons Bio Ensemble, donc nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, société créée donc en 2011 avec donc, dans sa définition donc, deux intérêts collectifs. Le premier, donc, c'est faire accéder le plus grand nombre possible de personnes à la restauration donc, en bio. Et le second intérêt, donc, c'est la structuration de filières, donc des filières de production pour satisfaire à la demande. Notre rôle, donc, c'est bien le contact et le développement en fait, de la bio auprès d'intervenants de la restauration, donc, comme un de nos partenaires, donc GM Restauration. Ben nous sommes une restauration collective, surtout de scolaires. Nous travaillons avec 950 enfants qui prennent des repas bio une fois par semaine. Donc c'est un repas qui est constitué de l'entrée, le plat, le dessert et le pain. Nous, les prix ne sont pas exorbitants, on arrive à rester dans des prix raisonnables. On a envie de faire travailler le local, le régional. Notre idée, c'est toujours en fait, de s'appuyer sur la production en fait, de notre territoire. L'aspect, on va dire, travail collectif entre AgroBio sur le développement de la production et Mangeons Bio sur la distribution puis les consommateurs. L'exemple du maraîchage est assez flagrant, c'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup les producteurs sur comment je travaille au sein d'un collectif tout en permettant de conserver l'autonomie sur ma ferme, faire en sorte qu'ils trouvent un débouché adapté, les accompagner pour ça, mais aussi au quotidien leur permettre de vivre de leur métier. Et on a même vu, je pense, une évolution en 3 années en fait. Historiquement, le maraîchage, c'était des métiers en fait, assez solitaires. Aujourd'hui, en fait, on vient progressivement vers du regroupement en fait, de producteurs pour la mise en marché. Et notre logique aujourd'hui, c'est de travailler sur cette logique collective de gouvernance, nouveau système économique, etc. Aller dans ce sens de plus d'équité entre les acteurs.